Bonsoir, quel accueil! Ouais. On est juste au début du spectacle, j'aimerais ça qu'on prenne peut-être quelques instants là, pour installer une certaine complicité. Pour justement créer le climat nécessaire, là, j'aimerais ça, OK? Sans que ça paraisse trop, là. Que vous regardiez votre voisin de gauche avec un petit sourire engageant, OK? C'est la personne qui va rire avec vous autres pour le restant de la soirée. Ou si bien la connaître tout de suite, hein? Ça, on s'en occupe plus de notre voisin aujourd'hui, on n'a plus le temps, on est trop pressé. On le prend le temps, là, on le regarde, le voisin, hein? Il est pas si mal que ça, hein? On lui serre la main, on l'embrasse, notre voisin de gauche, voilà! Alors, ben, soyez pas gênés, il regarde à gauche, lui, ici, je veux dire. Pas fou du tout, cette ouverture de saison chez Forg Fourrure. Achetez votre manteau maintenant. Premier versement le 15 janvier 88. Ou payez comptant sans intérêt le 15 décembre 87. Ou encore, profitez du paiement 12 mois sans intérêt. Pas fou du tout, cette ouverture de saison chez Forg Fourrure, Maille Centre-Ville. D'ici au 31 août, vous pourriez gagner 5 000 $ en bons d'achat d'écomeubles. Le poulet maroquin Shanghai, il vous est offert en boîte de 9 et de 20 morceaux, accompagné de baguettes, d'un biscuit Marc Fortune et de 3 nouvelles sauces orientales. Écrin douche, Shanghai, moutarde forte à l'oriental et teriyaki. Mais vous devez d'abord apprendre à maîtriser les baguettes. Moi, Martin Lowe. Attention, ces quatre magnétophones jouent quatre instruments différents. Seul le saxophone fonctionne au pied du Racel. Au revoir le batteur, fini le piano, adieu la contrebasse. Qu'est-ce qui continue à jouer? La pile au-dessus cuivrée du Racel. Celle qui dure. Salut! Fais tes devoirs? Non, je veux le secret de la caramélique. Tu peux pas faire ça. Gages-tu? Nous avons un intrus. Il cherche à percer le secret. C'est légal? Un vrai génie. Oh. Empêchez-le. Et voilà, ma chère. Oh. Beau travail, génie. Comment s'y prennent-ils pour mettre l'extraordinaire caramel fondant dans la caramélique? Qu'est-ce qui m'est arrivé de bon depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Oh, ben là, écoute, il y a eu des gros changements, surtout dans la dernière année. Là. On dirait qu'il y a eu des... Une minute, Pierre. On dirait qu'il y a des années comme ça. Des années où il y a des changements importants. C'est une année, ça, où il y a eu des grandes décisions de prise dans ma vie, des décisions auxquelles j'ai... Je vais absolument être à la télévision en première. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de gag, puis je peux... Qu'est-ce que tu veux? On est tous nerveux au début, puis bon. Non, mais des décisions importantes auxquelles j'ai participé moi aussi. Comme, tiens, regarde, les arts martiaux, là, ça, c'est des bonnes... C'est des choses, ça, qui sont... Pour moi, c'est parfait, parce que ça, c'est... Ils te prennent où c'est que t'es. Tu sais, t'as pas besoin de préparation spéciale. C'est le meilleur de toi qu'on va chercher. Comme le judo, là. Quelle discipline noble, le judo, hein? On a tendance à oublier ça, le judo. L'enceinte de toute l'enceinte, l'ancêtre, tu sais? Judo, une discipline tellement... Discipline où c'est que tu te sers de la force de ton adversaire pour le battre. C'est parfait, ça? Plus il est fort, là, lui, mieux c'est pour toi. Excepté, faut pas que t'en frappes un qui est plus faible que toi. Bon. Au début, tu penses pas à ça. C'est tellement envoûtant, là. Exaltant, tu sais. Quel sentiment de pouvoir, là. Quelle sensation de puissance. Non! Ah, des fois, le matin, là. Non! Le monde s'arrue, ça se tassait. Ben, excusez-moi, monsieur, pour certains. Le soir, dans les ruelles. Non! Ça sortait de partout, les chats, les rats.
Excepté qu'il y a un soir que j'ai dû en attraper un sourd. J'ai eu beau m'époumoner, là, il a avancé, puis avancé, puis... Après, je me rappelle plus de rien. Ça, c'est frustrant de défendre, jamais t'en rappeler, tu sais. C'est là que j'ai vu que le karaté, qui possédait à peu près les mêmes qualités défensives que le judo, mais c'est qu'en plus, avec le karaté, tu peux contre-attaquer. Un coup chanceux, puis d'accord, bon. Excepté que tu peux pas faire du karaté tout de suite, là. Tu sais, avant que tu fasses du karaté sur d'autres, il faut que les autres fassent du karaté sur toi. Il faut qu'ils assouplissent ton corps. Ils m'ont rendu ça souple, mon corps, moi, là. Ah, je peux plus me pencher par en arrière, moi. Trop souple, me relève plus. Par contre, il y a d'autres parties de ton corps qu'il faut absolument que tu renforcisses. Comme tes mains, là. Ça va être ton arme, tantôt, ces mains-là, là. Tu vas lancer ça partout, là. Les murs, briques, béton armé. Tu y penseras même plus, ça va être un réflexe. Plazac, c'est parti! Fait que si tu veux pas qu'après une coupe de jour, ils seraient juste comme des moignons à lancer partout. Il faut que tu les renforcisses, puis ça presse. Fait que la meilleure façon, le meilleur système, c'est de te faire de la corne. Défense naturelle, beaucoup de corne, et concentre la corne en dessous. Occupe-toi pas du dessus, parce que... Non, c'est rare qu'on fait du karaté comme ça. Ah, là, c'est en dessous. Bon. En dessous. Mais ça, là, ça vient juste graduellement, hein. Tu fais pas ça au début, là. Ce qu'ils font pour t'habituer, surtout au début, le geste, la coordination, puis bon, c'est qu'ils te font commencer dans quelque chose d'assez mou, puis là, graduellement, tu vas de moins mou à plus dur, moins mou à plus dur, moins... Ah! Grosse différence quand tu frappes le vrai dur, là. Grosse, énorme différence entre le plus dur puis le moins dur des plus mous. Grosse différence. Puis c'est là que tu comprends enfin tous ceux qui font du karaté depuis un bon moment, là. Et remarquez que ça, c'est des gens qui crient d'abord, frappent après. Ils sont pas fous. Parce qu'après que t'as frappé, tu peux plus crier. Que t'as passé par-dessus le seuil de la douleur. C'est incroyable, les progrès, hein? En dedans de quelques mois, moi, ça coûte. En dedans de 3 mois. Puis en plus, c'est la première fois que je m'essayais vraiment, là. Des planches, je veux dire quoi, 1,5 pouce d'épais, ça? J'en ai cassé combien, du coup, vous pensez? 5. Main gauche au complet, fini. Dans le... Tout fini, je veux dire, double jointure à chaque fracture. Fini. La planche a fait... Comme ça. Mon prof très content, c'est la première fois que je branlais. Mais ça m'a pas découragé, je voulais. Puis c'est quelques temps plus tard que malgré moi, je me suis rendu compte là, qu'une seule détente de ma jambe droite pouvait blesser quelqu'un pour 6 mois. Moi, je me suis déchiré des ligaments dans ce jambe-là. Là. Je n'avais même pas de nom de donné médicalement, rien. Ça faisait 6 mois que je faisais du karaté. Il n'y a pas une journée que j'ai pas eu un bandage, un plâtre quelque part. À un moment donné, Pierre, sois réaliste, que je me suis dit, sois réaliste, là. Le karaté est en train de te maganer comme aucun adversaire le fera jamais. T'es mieux de prendre une chance. Admettons que t'es à toutes les ceintures, de toutes les couleurs, là. Puis ton adversaire a juste le malheur d'avoir une mitraillette, lui. Non, mais qu'est-ce que tu penses que tu peux faire contre ça avec tes deux mains pleines de gomme? Tu sais? Ah, peut-être tu vas l'avoir par la vitesse au début. Ting, ding, 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 ding. Il va t'avoir par la fatigue, lui. Non! Demain matin, on va fêter les 20 ans de la ronde. Embarque-tu, ça ouvre à 10h. Yahoo! Le boomerang. Wouhou! Les chaises volantes. La pitoune. Les jeux d'adresse. On sait jamais ce qu'on peut gagner. Les cartes, le monde. Viens à la ronde, tu vas aimer ça. Il y a des spectacles toute la journée. Puis toute la soirée, pour tout le monde. Puis oublie pas, ça ouvre à 10h. La ronde a 20 ans. Viens-t'en. We
c'est délicieux, les œufs. Tu les fais comme ça te plaît, n'importe quand, n'importe où, quand tu veux. C'est bon les œufs, c'est si vite fait. Vas-y, casse-toi les œufs. De bons œufs frais, c'est si vite fait. Vas-y, c'est délicieux. Découmable donne le ton aux meubles et laissez libre cours à votre imagination. Québec, Vanier, Charlebourg. Voilà, c'est fait. Merci. Pas de problème. Vous savez, SO accorde beaucoup d'importance à la formation de ses pompistes afin de toujours vous offrir un service, pas de problème. Merci. À la prochaine. Pas surprenant qu'SO accueille des clients jamais vus auparavant. C'est pas parce que je vis aux États-Unis que j'aime la bière Coors. Il faut admettre que c'est aux États que j'ai découvert sa douceur, son caractère spécial. Mais c'est pas vraiment mes 10 ans là-bas qui me l'ont fait aimer, non. C'est plutôt mes 35 ans au Québec. C'est ici que j'ai appris à reconnaître une bonne bière. Et puis la Coors, brassée par Molson, je l'aime pas en tant qu'Américain, je l'aime en connaisseur québécois. On prend ça Coors. Mais non, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? On est là de moins en moins parce que c'est un autre beau risque calculé qu'on prend, cela, là. C'est qu'on voyage plus loin maintenant. On peut se rendre à l'autre bout de la planète, veux dire, en dedans de 24 heures, puis on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, hein? C'est vrai. Non, non, mais le monde, veut dire, va de plus en plus loin maintenant. Puis on a de moins en moins de temps pour y aller, c'est qu'il n'y a pas grande solution, c'est l'avion. Puis je sais pas, depuis quelques années, je trouve que le taux de réussite en avion, là, c'est rien pour écrire à maman, là, hein? Si ma mémoire est fidèle, moi, la nomenclature, la définition de l'avion même, ça met un doute, là, OK? Avion, appareil aérien qui a été inventé par les frères Wrong, right? Frères Wright, c'est ça. Semble-t-il qu'ils se sont inspirés des prédécesseurs, des précurseurs avant eux autres, mais c'est surtout en étudiant le vol des oiseaux. Hey! Juste entre nous autres, là. Tu peux l'étudier tant que tu voudras le vol des oiseaux. C'est t'enverras jamais en plein vol avec un autre ses épaules. Non, non, ils chorent, ils pentent eux autres, voyons donc. Encore bien moins des 400-500, y a rien à prendre là. Puis c'est ça, c'est une mécanique que tu peux pas traiter de la même façon, avec la même désinvolture, la même négligence. Je fais pas moi en auto, là. Tu peux toujours te permettre de négliger un peu, parce que en cas de panne, c'est toujours que tu peux t'en aller sur l'accotement. Mais en avion. Tu sais qu'en avion, là, en cas de panne, c'est ça, t'essayes d'éviter à tout prix l'accotement, là, hein? On s'en va dans l'accotement, là! C'est pas tellement les distances, moi, qui m'inquiète. C'est pas tellement le 3-4 000 milles de long, c'est surtout le 30 000 pieds de haut. Non, si m'avertissent, je vais l'enterrir 1500 000 plus loin que prévu. Pas grave, on va atterrir parfait. Si jamais m'avertissait, nous allons atterrir 3 pieds de plus profond que prévu. Ah. OK. Comme il y a un son aussi que j'haïs beaucoup, c'est dès qu'on a décollé, là, on est à peu près à 6 pouces du sol. Quand t'entends « plac », il n'y a plus de roues. Fait que vous, faut revenir vite, là. On n'a plus le temps de les sortir, les roues. Ils sont cachés, ils cachent les roues. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui trouve pas ça beau dans les airs. Ah, c'est lettre, ça, dans les airs, cachez ça. Ils cachent les roues dans 2 petits compartiments en dessous des ailes. Fait penser, moi, j'en ai déjà eu un auto comme ça, OK? Non, mais je veux dire, je pesais sur un petit bouton, là. Il y avait 2 petits compartiments sur les ailes qui s'ouvraient, puis les phares sortaient. Mais combien de fois que j'ai pesé ce petit bouton-là, moi? Puis les compartiments ont refusé d'ouvrir, puis j'ai éclairé le dedans de mes ailes, tu sais. Moi, j'haïs surtout les vols, là, tôt le matin. Là. Comme vers 9h30, là.
Y a rien que j'aille plus qu'être chaud vers 8h15, tu sais. Puis tu dis, si le pilote file comme moi, je file, on est pas rendu, tu sais. Puis veux pas, t'es obligé d'assister à toute la démonstration de sécurité, là, hein? Tous les moyens qu'ils ont pris pour assurer la survie, là. Comme à chaque fois, ils vont te montrer avec un témoin à l'appui comment est-ce que la fameuse ceinture s'attache. Comme si on l'avait oublié entre-temps, là. C'est du gros bout dans le petit bout, comment? Moi? T'as une petite question, tu sais, justement, en passant. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous autres qui connaissaient des gens qui sont écrasés en avion puis qui ont eu la vie sauve parce qu'ils étaient attachés? Non, mais d'après moi, c'est plutôt de la paresse de la part des compagnies aériennes, ça. C'est beaucoup plus facile d'identifier le corps quand il reste attaché après son bord, tu sais. Ils vont te montrer aussi où c'est que sont les sorties d'urgence. On en a une là, là. Pense qu'on en a une là, mais on n'en a pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va faire, donc? Que de la minute qu'on apprend qu'on est en train de s'écraser, là, qu'on va tous se garocher ses portes, pour aller où? Tu sais? Pour aller où? Hey, poussez pas en arrière, on s'en va tous à la même place. Pas mettons que t'as la chance d'être un survivant. Hein? T'as pas à t'en faire non plus, il va y en avoir partout autour de toi des sorties d'urgence. Hein? Ils disent aussi que si jamais le mal de l'air te prenait, qu'il y a un petit sac de prévu dans le dossier en avant. Et ils finissent en disant que dans quelques minutes, nous vous servirons un repas chaud. Non, pas pour moi, non, j'en veux pas. Non, donnez-le à quelqu'un d'autre, j'en veux pas, on passe pas mon tour. Ben pourquoi vous ne le mettriez pas dans le petit sac directement, tiens? Admettons que l'avion, là, mécaniquement, il est parfait. Là. Pas sûr qu'on va arriver à destination quand même. Hein? Hein, regardez ça aujourd'hui, comment est-ce que toute l'affaire de terrorisme international, là. Les attentats. Toi aussi, viens le dire vite ici, tu vas voir. Je m'en porte peut-être un peu là, quand je parle des attentats, puis je parle de toute la piraterie aérienne. Là. Mais ça a ton goût, des pirates de l'air. Nous, autant que les agents de bord. Bonsoir, bienvenue à bord, je vois de pirates de l'air. Mais c'est pas le pirate si facile que ça à reconnaître, là. C'est pas le pirate traditionnel comme on l'a toujours connu, une jambe de bois, par la caisse à un œil, une patch à une épaule, là. Non! Il se déguise aujourd'hui. Ben moi, je surveille toujours le gars avec le sac en papier brun. Non, mais ils disent aux nouvelles, hein? La bombe était cachée dans un sac en papier brun. OK. Premier gars qui essaie d'embarquer sur l'avion avec un sac de Provigo. Ben, si je suis là, il embarque pas, hein? En bas! Mange ça en bas! Ah ben! Souffle dedans, puis pète-les maintenant. Puis admettons qu'il n'a pas de pirate, pas une poche, pas un nuage, le vol parfait. Au point que tu risques un œil sur le film. Et qui est-ce que tu vas passer à côté de toi dans l'allée? Le pilote! Où c'est que j'en allais, là? S'en va aux toilettes. Comment ça fait qu'il n'a pas pensé d'y aller avant de partir, lui? J'oublie pas, moi. Puis pourquoi qu'il s'en va là? La vérité. Parce qu'il a envie, vraiment, parce qu'il a la chienne, tu sais? S'en va dans le cul parce qu'il sait qu'on est en train de piquer du nez, là. Non, pilote automatique! Ben, que le pilote automatique aille aux toilettes, que le vrai reste en avant. Non! Mais non, mais ça nous prend quelqu'un en charge, tu sais. Le pilote automatique, on va pas se mettre à avoir posé les pilotes et les chauffeurs dans les allées. Mais toi, le chauffeur d'autobus, ça va dans le milieu de l'allée, puis... Ah non, on est sur le cruise control, tout est correct. Faut que j'aille quelqu'un d'humain en charge. On devrait pas voir ces choses-là, on devrait leur en faire des petites toilettes juste pour eux autres.
Quelque chose de discret, de simple. OK, tu peux y aller. Non, mais... Ça, c'est comme... c'est comme la fameuse boîte noire. Pas tant d'une en parler de la boîte noire, tu sais. L'avion va exploser dans les airs, frapper une montagne, se retrouver au fond de la mer. Écoute, il n'y en a plus d'avion, là. La boîte noire toujours intacte, là. Ça, c'est une autre affaire qui me chicote beaucoup aussi. Comment ça fait qu'avec toutes ces années d'expérience, là, puis... Comment ça qu'il n'y a jamais personne qui a pensé prendre le même métal qu'ils prennent pour les boîtes noires, faire les avions avec, tu sais? Ça me ferait rien que l'avion soit pas regardable, moi. Ça me ferait même rien d'être assis dans la boîte noire, tu sais? La carte American Express contient un petit mot grâce auquel les autres cartes ne semblent plus que de simples morceaux de plastique. Membre. J'ai dû perdre mon portefeuille. Pour nous, M. Garneau est un membre. Monsieur Garneau, j'aurai la nouvelle carte demain, ça va? Pour American Express, les membres de la carte ont droit à quantité de privilèges. Voyage d'affaires ou d'agrément. Nous avons perdu nos cartes, notre argent. Et même nos passeports. Du secours partout dans le monde. Je m'occupe de tout. Formidable. Des cadeaux, petits et grands. Inutile de l'envelopper. Vous cherchiez vos reçus. Un double de la plupart des reçus. Oh, tiens, en cas d'urgence, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne va pas des cartes supplémentaires. Bangkok ce soir. Oui, ouais, je suis pareil. À nos membres, nous promettons respect, considération, service personnel exceptionnel. Être membre a ses privilèges. Pour être membre, cherchez ce présentoir et faites votre demande. Chez Keystone, la marchandise roule à la journée longue. Mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est pour ça qu'on a les meilleurs prix. Envoie-moi le micro-ondes. Ça sent bien, voilà. Le micro-ondes, seulement 199$. Tiens, je t'en envoie un autre. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, voilà. Ah, ce téléviseur pour seulement 199$. Merci. Autre chose? Autre chose? Ah, on a encore pour un bout de temps. Ah oui? Keystone, Maille Centre-Ville. La célèbre collection de la Liberté vient d'arriver. Ses vedettes, attendues patiemment par le public, font l'événement de l'été. Hâtez-vous, car le choix pré-saison est à son meilleur. Profitez des prix de la grande vente d'été et du plan avantageux 12 mois sans intérêt. En nomination pour le choix du public, voici deux vedettes parmi un grand nombre de fourrures à prix spéciaux. C'est la célèbre vente d'été. Accédez à l'élégance qui caractérise les fourrures d'un grand nom. La Liberté, le numéro un de la fourrure au Canada. Parfois, vous n'avez pas tout à fait envie d'une bière, ni envie d'en boire de toutes les couleurs. Vous cherchez quelque chose de différent, une question de goût. Voici un couleur qui sort de l'ordinaire. Un drink citron-bière au goût inattendu. Le dernier choc. Le dernier chic. Twist Chandy, le couleur de votre été. Un goût rafraîchissant, ensoleillé, un zeste anticonformiste. Twist Chandy, le couleur citron-bière de la pâte. Non, mais la technologie envahit en plus de nos loisirs, notre vie sociale envahit... Nos santé! Regarde, de moins en moins aujourd'hui, ou de plus en plus quand on t'opère, là, opération chirurgicale, c'est... On va se servir du bisturi, jamais, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait pour oublier ça? Aujourd'hui, c'est le rayon laser. On te touche même plus, on te fait un light show pour te distraire. Merveilleux, non? Regardez les miracles de la chirurgie esthétique aujourd'hui. Je me rappelle du temps que ça s'appelait encore la chirurgie plastique, moi, là. Ou approximative, là. Bon. Tu dois avoir quoi, ça à peu près ça, 8-9 ans. Puis on allait se baigner, ma mère et moi, régulièrement dans le même lac, le lac Champlain. Puis il y avait une dame qui venait se baigner aussi régulièrement que nous autres dans le même lac, jusqu'à milieu juillet. Disparue. On l'a revue juste à la fin du travail. On pouvait pas manquer. Des changements vraiment d'envergure chez cette personne-là. Puis moi, à la grandeur, j'avais vraiment une vue imprenable sur la situation. Puis avec le nouveau volume,
nouvelle dimension que tout ça avait, là. Normalement, ça aurait dû caler au fond du lac Champlain, celle-là, là. Comme des roches, mais non, ça flottait. Puis pas ensemble. N'oubliez ça, la chirurgie, qu'elle soit esthétique, plastique, on est en train de cogner aux portes de la génétique, là, on rit plus. Là, on rit plus parce que là, on va pouvoir te refaire au complet. Fais-toi-en pas, on va te refaire. Juste un vieux morceau de tes tissus, puis on te refait. C'est incroyable, la génétique, là, c'est... On va pouvoir te refaire, à part ça, je veux dire, à l'infini. Avec le cloning, on va en refaire, on va en refaire. Là, on est spécial, 12 pour le prix de 9 cette semaine, là, bon. Tu vas pouvoir même changer juste des parties de ton corps, là. Juste comme les bras, les jambes, les accessoires, là, bon. Ah, on rit, mais il faut s'habituer. On va vivre dans un monde de plus en plus artificiel. Ils sont en train de nous habituer tranquillement, tu sais. On a juste regardé la télévision, là, depuis quelques années. Tous les nouveaux personnages pour les jeunes. Comment est-ce que ça, c'est des gens qui ont subi des transformations importantes, là. On a juste à penser aux précurseurs de tout ça, là. L'homme bionique. Hey, était-tu impressionnant, lui? T'es-tu beau quand il courait? Tu sais, il nous avertissait toujours une couple de secondes avance, là. Le gars courait tellement vite, t'es obligé de le passer au ralenti, hein? Le gars qui se faisait courir après, lui. Oh non! Oh non! Oh non! L'homme bionique. Écoute, la confiance régnait, hein? Mais la confiance pouvait bien régner. Ce gars-là, on le voyait, il nous le montrait au début de l'émission. Courait à 60 000 à l'heure sur une courroie avec effort. Ça n'a pas duré longtemps, malgré... Qu'est-ce que tu veux? L'émission, ils ont été obligés de l'annuler, hein? Avec la nouvelle réglementation, plus le droit de courir nulle part aux États-Unis. Moi, j'aurais aimé ça voir l'homme bionique avoir des réactions plus humaines, là. Je sais pas, moi, juste comme perdre un soulier à 35, mettons. Non, non, tu sais. Une bonne jambette à 80, là, juste pour... On va le tester comme faut, mais on verra si ça nous tente de changer après, tu sais. On a eu droit à la deuxième génération beaucoup plus perfectionnée. La femme bionique. Elle avait tout, là, de bionique. Elle avait même deux... Voyons, deux... Faites pas entendre, ça. Deux oreilles bioniques. Ça aussi, on l'apprenait au début. C'était un accident qu'elle avait eu. Elle était tombée en bas d'un avion en marche, là. En plus que ça, dans les airs, l'avion, là. Quand même incroyable, là. Tu tombes en bas d'un avion, puis t'arrives sur les deux oreilles, tu sais. Faut que tu sois équipé en oreilles en tabouère, là. C'est un cas d'intervention, ça. Hé, hey, cool. Les affaires, ah, maudit. Maudit des oreilles, on peut pas vous tenir, c'est ça. Puis plus près de nous, on a eu droit à plus subtil encore. Un personnage nouveau genre. L'heureux mariage de la technologie-biologie. Personnage qui, sous le coup de l'agression, là, de la colère, changeait de volume puis de couleur, là. Hein? La chimie de son corps qui subissait une complète métamorphose. Les chromosomes, chromosomes, cellules qui changeaient puis s'interféraient, puis l'incroyable bulk, là. Une fois forgé, lui, là. Il se mettait à grossir de partout, là. Puis venir faire les boutons de la chemise qui pétaient au vent, là. Pa, 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 pa! Ça y déchirait sur le dos. Ça y déchirait, sauf le bas, hein? Ben, pour moi, c'est ça qui devait le rendre si agressif, hein, tu sais? Non, mais mets-toi à sa place, tu viens vers toi aussi, hey, oh. Non, mais un monde beaucoup plus artificiel, il va falloir s'habituer, écoute.
Regarde, depuis à peu près quoi, une vingtaine, peut-être plus, vingtaine d'années, on est dans l'ère des transplantations. Ça, ils ont commencé ça au début avec... C'était naturel, là. Ça, c'était les reins, les foies, les cœurs, là. Ça se passait d'année en année, puis bon... T'avais un gars avec un beau corps, mais le cœur... Puis l'autre, c'était le contraire, c'est qu'il changeait, puis il s'arrangeait, bon. Mais ça marchait pas, ça. Parce qu'il y a une loi naturelle écrite au plus profond de chacun d'entre nous. Ça fait partie de nos gènes. C'est que tout corps humain étranger plongé dans le sien restera pas là indéfiniment. OK? C'est qu'il y a. Ça, ouais. Mais non, c'est le phénomène du reject, le rejet, rejet. Non, mais la science n'en est pas laissée imposer, hein? Contourner le problème, on est rendu maintenant avec des petits ordinateurs, des petits cœurs artificiels. Puis on en est juste au premier balbutiement, là. Imagine-toi dans une dizaine d'années avec le progrès, là, quand tout le monde va vouloir en avoir un. Ah, change-moi ça, là, je vais avoir le gros modèle de l'année, voilà. Ben, celui avec le compteur de battement digital, là. Mais ça va être un objet courant que tu vas changer comme un téléphone, comme une vidéocassette, lave-vaisselle, télévision. Mais écoute, achète-le plus, là. Tiens-toi toujours à la mode, loue-le. Non, mais il me semble justement de voir le gars qui reçoit un coup de téléphone d'une vingtaine d'années. Oui, allô? Ah, c'est la compagnie Cardiobec. Oui, oui, oui. Si je vous paye pas dès 48 heures, vous allez venir me débrancher. Bon, il est pas bon, votre nouveau modèle. Ben, moi et moi, quelqu'un qu'on avait avant. Ben, il fait de la neige dans mon téléviseur. Et quand je passe devant chez mon voisin, c'est porte de garage ouvre tout seul. À Québec, il y a plus de 400 restaurants. J'aimerais vous parler de mon restaurant préféré. Ici, à votre gauche, au coin des rues Cartier-Boulevard Saint-Cyril, le Québec Barbecue. Mon préféré, parce que c'est le restaurant du monde de Québec. On y mange les meilleures grillades. Quand c'est la fête de mon petit gars, on l'invite gratuitement. Et imaginez-vous que c'est le seul restaurant qui offre un service de vélo-valet. En plus, quand ça ne tente pas de sortir, ils font la livraison. Pour toutes ces raisons, le Québec Barbecue, c'est vraiment le restaurant du monde de Québec. Les chauffeurs, on a faim. Attention, ces quatre magnétophones jouent quatre instruments différents. Seul le saxophone fonctionne au pied du Duracell. Au revoir le batteur. Fini le piano. Adieu la contrebasse. Qu'est-ce qui continue à jouer? La pile au-dessus cuivrée Duracell. Celle qui dure. Découmable donne le ton avec sa super bande d'été. Achetez maintenant. Premier versement le 1er janvier 88 ou payez comptant sans intérêt le 1er décembre 87. Procurez-vous Hotpoint, l'ensemble cuisinière réfrigérateur série Allegro. Un four à micro-ondes Hotpoint, l'indéniable performance. Le duo laveuse-sécheuse Hotpoint, le dernier cri en électroménager. Profitez de la vente d'été Découmable et laissez libre cours à votre imagination. Québec, Vanier, Charlebourg. La nouvelle Hyundai Excel à traction avant a été dessinée par la même personne qui a dessiné cette Maserati. À quelques différences près, l'Excel peut accueillir trois autres passagers. Elle est plus économique et coûte environ 40 000 $ de moins. Bien sûr, la Hyundai Excel ne roule pas aussi vite qu'une Maserati. Mais tout compte fait, cela aussi peut vous faire économiser beaucoup. Hyundai, des voitures bien pensées. Encore tout en douceur, encore tout en saveur. Quand on a le temps de prendre le temps, encore profiter de l'instant, encore un moment. Encore tout en douceur, encore maintenant. Moi, il y a une chose dans la vie, une chance, je me connais. Moi, je suis client né. Tu sais, acheteur, là. J'en veux. N'importe quoi, poisson, là. J'en veux. C'est quoi, ça? Vous ne le savez pas? Ah. Vous venez juste les recevoir? Je vais en prendre juste 6 d'abord. Mais j'en veux.
Il m'en faut. Je pense qu'il n'y a pas une place plus excitante pour le genre, pour le genre de type comme moi, là. Pas une place plus excitante que le supermarché un mardi après-midi. Tu sais, la veille de la journée des spéciaux, là. Puis là, t'arrives, là, puis il n'y a plus un sac, il n'y a plus un contenant, il n'y a plus une canne. Parce qu'il n'y a pas 6-7 prix différents dessus, là. Tu le sais plus, le prix, t'as le prix blanc, le jaune, le vert, le 750 ml pour 500, puis... C'est quoi le prix de la canne ici, monsieur? Il y en a 4 dessus, là. Ça part de 99 cents, ça va à 2,49. Ah, on les additionne. Ah. On aurait dit qu'au début, moi, je savais pas magasiner. C'est malchanceux. Ne prendre la canne, pac, le nouveau prix dessus. Frustrant, ça. Mais t'apprends. Me laisse pas avoir aussi facilement. Je la prends quand même, la canne, aujourd'hui. Et je vais juste plus vite avec mon panier. J'essaie de rattraper quelqu'un qui prend la même canne que moi, mais à l'ancien prix. Sans que ça paraisse, ben non. Ah, ben tant qu'à pas passer à la caisse, la canne est à tout le monde, non? Pas de ma faute, elle allait se traîner dans son panier, là, lui, tu sais, bon. Mais il y a toute une nouvelle catégorie, une nouvelle gamme de produits qui peut faire de toi vraiment un acheteur avisé maintenant dans les supermarchés. Des produits qui peuvent vraiment faire de toi un consommateur très averti. Ça, c'est des produits que tu vas acheter au prix d'aujourd'hui, de maintenant, là. Puis que tu vas consommer au prix de « Ah, ben, je te l'avais dit aussi, on a pas moyen, pas moyen. » Bon. Tu as juste à regarder sur le contenant en question, il y a toujours écrit quelque part « Meilleur avant le 1er janvier 88. » C'est impressionnant, là. Tu sais que tu peux commencer à en stocker, là, des victuailles, là. Excepté que ça va te prendre un agenda juste ton canage, tu sais. Ouais, faudrait bien s'occuper du lait Carnation, il est dû à la fin du mois, là, lui. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ouvre la canne juste comme le 2 janvier 88, tu sais? En fait, ma vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la canne dans la nuit du 1er au 2 janvier, là, tu sais? Non, ben. Tu sais, ça frappe-tu dans le couvercle le lendemain matin, là? On veut sortir! Puis normalement, la première allée, quand tu entreprends dans un supermarché, c'est l'allée des viandes, toutes les sortes de viandes, fraîches, congelées, en petits paquets, gros paquets. Puis là aussi, il y a toute une nouvelle gamme de viandes qui me laisse vraiment songeur, perplexe, je dirais. Comme je ne sais pas qui a eu l'idée, là, de planter des olives puis du piment dans du jambon. J'aimerais ça rencontrer l'éleveur, moi. « Hey, tu cochon, on se fait pas mal la semaine passée, là, de planter les olives, là! » Ben, c'est comme le clic, le cam. De quel animal ça vient, cette viande-là, tu sais? À vous de jouer un troupeau de clic? À vous marquer qu'ils en mettent pas sur le couvert de la canne? C'est comme la compagnie Highliner, ça, qui est spécialisée dans le poisson congelé, qui viennent de mettre sur le marché une nouvelle gamme de produits également. C'est des broquettes de poulet, des criquettes de broquettes, des briquettes, des croquettes de poulet. Des croquettes de poulet congelées. Ils ont appelé ça le poulet du capitaine. Vous ne trouvez pas que c'est partir deuxième, ça? Ça, on a déjà le poulet du colonel, bon, on sait ce que ça goûte, hein? Bon, d'être rendu aux ailes de caporal, moi, là, tu sais. Puis quand finalement tu réussis à te rendre au fond de l'allée, puis que tu retournes à gauche, tu vois la tâche à accomplir devant toi. Allée par-dessus allée, puis c'est le même produit que tu revois répété, le même produit à l'infini. Il y a des bouts, là, t'aimerais savoir un moteur, un panier à moteur, juste passer ces bouts de plate-là, là. Ça, c'est une autre affaire aussi. Je sais pas vous autres, là, moi, j'ai le don de tomber sur le panier avec la roue désalignée. C'est humiliant, ça. T'as beau pas te faire remarquer, là. Je relève le collet, les lunettes fumées. Tout le monde se tasse dans les allées. Laissez-les passer, voyez qu'il est pressé, il force son panier, là.
Puis à mesure que le panier se remplit, c'est la bataille qui est engagée, là. La roue des enlignés qui veut aller dans les fruits et légumes, l'autre va aller dans les produits laitiers, le restant. La bataille qui est poignée. Puis quand t'arrives pas à faire pour tout réussir à remettre ça en ligne, en fil, ça, c'est une autre loi immuable du supermarché, là. T'as beau choisir la foule tu voudras, la file tu voudras. Non, mais celle d'à côté, elle va trop plus vite. Non? Et j'en ai fait de tous les jeudis, je tenais des statistiques, moi. Okay. Puis finalement, trois quarts d'heure après, quand t'arrives au bout, t'entrevois la caisse, haute surprise. Petit écriteau, caisse express. Six items ou moins. Je change pas de fil, mademoiselle, moi. Je le sais que mon panier est plein, mais ça fait trois quarts d'heure, j'attends. Je change pas de fil. Ben, vous me ferez une facture à chaque six items, c'est tout. C'est comme toutes les nouvelles caisses électroniques. On ne sait plus comment ça coûte. Tu ne sais plus comment rien coûte aujourd'hui. C'est vrai. Avec les caisses mécaniques, avant, on pouvait savoir les prix des choses. Tu t'entendais des cloches, tu fais le figurer, tu voyais quelques chiffres passer dans la vitrine, mais avec les caisses électroniques, aujourd'hui, ça coûte tout le même prix. Boup! Ah! Coûte combien, ça? Boup! Ah, bon! Oh, mais c'est en spécial, ça. Boup! Oui, mais mademoiselle, vous m'arrêterez, hein, parce que j'ai juste un billet de poupe, moi, là, je veux dire... Puis quand ça se trompe, ces caisses-là, ça se trompe pas pour rien, là. 11 244 piastres, mon marché, la semaine passée. La semaine de la petite épicerie, voilà, ça. Avec toutes mes bouteilles vides, OK? Puis le même produit, allié par-dessus allié du même produit, c'est incroyable, je veux dire. T'as des alliés, c'est juste... Où, ça, les alliés? Là, les alliés! Il est là, là, des allées. Des allées, là, je veux dire, de gomme. Une gomme, mais une allée complète, c'est de la gomme. Toutes sortes de gommes. Rondes, molles, dures, longues, triangulaires, enveloppées en gang, en petite carrée avec une vitrine, avec le papier aluminium, sucre, pas de sucre. Spécialisé, là, au point que... Écoute, spécialisé, ils viennent de sortir une nouvelle gomme sur le marché, je sais pas si vous avez vu ça, là. Ça, c'est t'en prends un morceau une heure avant d'aller à la clinique dentaire. Non, elle goûte le doigt de dentiste. Non, mais allez, allez, de produits, un mur devant toi, de la mousse à barbe. Toutes sortes de mousse à barbe. La petite canette moyenne, la grosse canette, la régulière, la blanche à la vanille, t'as au citron, t'as à l'allumette, aux épices, à la menthe. T'as des mélanges, citron-limette, épice et menthe, et panthémis. Mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'on fait avec ça? Des tartes? Non, non! D'après moi, là, ils nous prennent plutôt pour des tartes. Parce que t'as juste à regarder le dialogue qui s'installe entre le fabricant et l'utilisateur, là. Première chose qu'ils disent sur la canette, là. Mode d'emploi. À part de Shakewell bien agité, là, le petit mode d'emploi explicatif. Première chose. Enlever le cabuchon pour faire jaillir la mousse. C'est qu'il y a des fois que tu te demandes à quel âge qu'ils pensent qu'on commence à se raser, hein? Enlève le capuchon, papa a dit. Enlève le capuchon, là. Puis les lames de rasoir, t'as un choix illimité de lames. Toutes sortes de lames. La traditionnelle, elle a le pied ciré, paquet de 1, 5, 10. Lame jumelle, trac 1, trac 2. La première te manque, l'autre est en arrière, amorce toute la scrap. T'as maintenant un rasoir qui peut suivre le contour de ton visage. Cache le poil où tu voudras, il va le trouver. Rasoir à tête chercheuse. Comme les dentifrices aujourd'hui, dentifrices. Tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, veux dire, pour tenir tes dents en état aujourd'hui. Tu peux plus n'employer juste un comme un vulgaire, là. Il est juste bon, là, c'est ça, t'es obligé d'en employer quand même, le de base, là, le dentifrice de base, qui ne fait que nettoyer tes dents, c'est le granuleux, le plat, là. M'en disant pas plus, c'est tout ce qu'il fait. Mais t'es toujours en employer un deuxième qui purifie ton haleine. Il y a des serpentins de couleur, celui-là, là-dedans.
Un troisième qui est renforcé des gencives, il picote. Bon. Et un quatrième qui donne plus d'éclat à ton émail. En fait, l'émail est de la même couleur, c'est juste les gencives viennent plus rouges. Hein? Bon. Bon. Mais là, là, ouais, t'es rendu à te brosser les dents 12 fois par jour, chose, OK? Les dents vont tomber pareil, hein? Mais de fatigue, là! Il y a des dents qui vont choisir volontairement de se garocher en bas de ta bouche. Suicide, je... Ah, là, hein. Moi, je schlack, moi. Ah, ouais, ouais. Puis quand tu tournes l'allée, puis t'arrives dans l'allée des dédororisons. Des ororidis. Des ororisons. Ha, ha, ha! Viens le dire vite! C'est pas de... Des odoros, des odorisants. Et dessous de bras, OK? Là, là, je veux dire, tu peux passer l'après-midi à choisir ton désodorisant. Nous, on dirait qu'il y a une marque pour chaque aisselle, hein? Mais il n'y a pas tellement longtemps, il me semble que c'était facile, le choix de ton désodorisant. Tu sais, ça te stressait pas, ça. Tu, juste à le choisir, t'es obligé de t'en mettre, tu sais. Non, mais c'était simple, le choix de ton désodorisant. Il y en avait qu'une sorte dans ce temps-là. C'était le gros bâton de graisse, là. Avec beaucoup de parfum dedans. Ça, ça sentait fort, là. Puis longtemps, là, tu sais. Tu vas me rappeler quand j'ai eu droit à ce premier bâton-là, moi, personnel, là, j'avais à peu près 15 ans, puis... Tu vas me rappeler en revenant de l'épicerie, mon père, dans l'auto, qui avait pas arrêté de m'engueuler. Ben oui, mais Pierrot, tu pourrais au moins attendre d'être arrivé à la maison pour te mettre ce dessous de bras de tapette-là, là. Mais le dessous de bras de tapette en question, là, est encore dans le fond du sac d'épicerie, dans le coffre d'auto. J'en avais pas mis, moi, là, là. Ça sentait fort. Fait que c'est pas tout le monde qui aimait ça que le rôdeur les pressait d'un 10-15 pieds avant d'eux autres. Puis c'est pour ça qu'on retrouve plus loin dans l'allée, encore plus nouveau, progrès, désodorisant à billes. Lui, je m'en rappelle parce que c'était collant, là. Elle prenait un couteau décollé à billes tous les matins, hein. Tabarnouche, je suis pressé, moi, là, là. Elle prenait juste une coupe de veau, puis t'as fait juste un gros poêle, là, tu sais. Faites tremper ça dans le Varsol les fins de semaine, là. Ouh! Ouh! Oh! Fait que c'est sûr qu'il y en a qui faisaient des réactions à ça. C'est pour ça qu'on retrouve encore plus nouveau, plus amélioré, plus loin. Aérosol. Alcool, parfum sous pression. Pssst! Lui, là, c'était presque parfait. Je veux dire, tout disparaissait. Il n'y a plus rien qui poussait là, pendant 6 mois. Zone dévastée. La semaine d'après, c'était violette, puis tu marchais comme ça. Plus besoin d'en mettre. Puis quand t'arrives enfin au bout de l'allée, le nec plus ultra, le progrès incarné, désodorisant non parfumé. Lui, là, poum, 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 tout disparaît, hein? Complètement neutre. Ce qui permet à tes amis de remarquer que tu sens des pieds aussi, hein? Mais là, là. Télé 4, hein? Boire et conduire, c'est mourant. Qu'on se le dise. Un message de la Régie d'assurance automobile du Québec en collaboration avec Télé 4. De la zoologique de Granby. Astral veut faire de vos images de prestige les plus belles photos. Nous vous proposons des appareils Maxim de Minolta avec le système de mise au point automatique intégré le plus complet, issu du génie Minolta. Venez voir le Maxim chez Astral Photo. Économisez maintenant jusqu'à 50% sur vos photos couleurs. N'oubliez pas la garantie Astral VIP, vos photos prêtes à temps ou vous ne les payez pas. Votre image de prestige. Quand t'arrives dans l'allée des papiers... L'allée des papiers, t'es noyé dans le papier. Toutes sortes de papiers. Les papiers suivent tout, des paquets de 2, 4, les blancs, les couleurs, imprimés, déprimés. Et papiers, les Kleenex, et boîtes individuelles, familiales, industrielles. Les grosses boîtes, petites boîtes, familiales, industrielles, familiales. Oh, papier de toilette, double épaisseur, double couleur, les fleurs, j'en veux. Pas plus tard que la semaine passée, ça. C'était plus fort que moi. C'est là que tu te rends compte comment est-ce que...
L'image en télévision peut influencer ton choix. Rendu sollicité de tous bords, de tous côtés, là. Parce que ça, c'est un nouveau papier toilette que Cottonelle vient de sortir, puis... dans leur réclame à la télévision, leur publicité, là, ils nous montrent des beaux petits minous blancs qui jouent avec des rouleaux de papier blanc. Puis leur slogan, c'est « aussi doux qu'un minou ». Non, mais tu sais, tu comprends pas, mais c'est un test de comparaison qu'ils veulent faire, c'est quoi, tu sais? Quoi qu'on voit jamais aucun témoignage, là, comme, je sais pas, moi, ah, ben, j'ai essayé les deux, Cottonelle est vraiment plus doux, hein? Ah, à part des griffes, moi, c'est pas mal kiff-kiff. Aussi doux que minou, il faudrait pas quand même trop exagérer, là. Semble qu'un peu, quelque chose de plus conforme à la réalité, quelque chose de plus réel, plus vrai. Ça, on serait capable de le prendre. Parlais de gomme tantôt, là. Moi, juste une fois dans un commercial de Chiclets, j'aimerais ça voir un gars pas dedans, dedans. C'est comme championne! Une fois, j'aimerais ça voir l'annonceur qui offre deux fois plus de savon à la femme. La femme accepte à bâton et poigne. Juste une fois, j'aimerais ça voir le gars, mercredi matin, 11h, étendu dans son lit, tasse de café dans la main. Ça fait juste une semaine que j'ai changé pour du 5K. Ça fait déjà le troisième matin que je passe tout droit. Il y en a 21, là. Et le gars qui arrivait à l'autre gars qu'il connaissait pas, mais pas du tout, là. Oh, cerne autour du col! Juste une fois, moi, j'aurais aimé ça voir ce même gars-là se retrouver avec un cerne autour de l'œil. Mais comment ça se fait qu'on voit jamais, mais jamais, dans ces commerciaux-là, de la hausse de finances qui va revenir chercher ses affaires parce que le gars n'est plus capable de payer? Tu sais? Comment se fait que s'il y a tant de fer dans ces céréales-là qui rouillent pas? Avez-vous déjà vu quelqu'un de malade dans un commercial Harvey's? Ah, ben écoute. Ils sont même rendus qu'ils font croire aux jeunes que s'ils se débarrassent de son acné, il va ressembler à René Simard. Puis toi, tu le crois, coudon, ça fait tellement longtemps que t'es à ces boutons-là que tu sais plus à qui tu vas ressembler, tu sais. Pour Bye Bye Acné, voici René Simard. Je fais de l'acné à cause de toi. J'ai des boutons depuis que tu m'as quitté. Tu l'as quitté, pourquoi tu l'as quitté? J'ai ma peau grasse et j'ai des clous partout. Des clous partout, des gros clous partout. Je fais de l'acné. Oh, et les jeunes, souffrez-vous de la peau? Avez-vous des problèmes avec votre peau? Avez-vous de la peau? Si oui, employez Bye Bye Acné. Une nouvelle lotion magique qui s'applique avec un pinceau. Numérotez vos boutons. Faites disparaître les boutons que vous voulez voir disparaître. Gardez ceux que vous avez. Ou encore mieux, faites-vous disparaître le visage. Gardez juste vos boutons. Je fais de l'acné. Depuis que tu m'as quitté, oh, je souffre. J'emploie Bye Bye.
Dans un moment, vous êtes aux premières loges pour assister au spectacle visuel le plus féerique qui soit, l'International Benson & Hedges. Vous avez manqué ces éblouissants feux d'artifice cet été? Que cela ne tienne! Nous vous offrons dans un instant les meilleurs moments de cet événement exceptionnel.